à toutes, c'est Lily Jijabé pour MGL France. Bonjour à tous et à toutes, c'est Lily Jijabé pour MGL France. On est ici aujourd'hui à Paris, départ manif de la Bourse, place de la Bourse. Par contre, j'ai aucun commentaire, donc je ne sais pas si vous m'entendez, si les images sont bonnes, est-ce que vous pourriez me le confirmer? Merci. Vous avez juste devant nos collègues de RSI Média que vous pouvez aussi suivre, RSI principalement sur Marseille mais aujourd'hui sur Paris aussi. RSI que vous pouvez aussi suivre normalement depuis MGL France. Alors je vois vos pouces mais toujours pas de commentaires. Ah ça y est. Merci Thibounet. Alors merci de partager le live, vous n'êtes pas sans savoir, je vous dis à chaque fois que RSI et MGL sont censurés, donc partagez nos lives, ce serait sympa, on a besoin de vous. Sans vous les médias indépendants sont rien. On a besoin de vous pour récupérer de la visibilité et pour que toutes nos images soient diffusées et vues par un plus grand nombre évidemment. Merci la Suisse. Merci pour les partages, Pascal. Sylviane, si tu sais mettre Lily Jijabé à Paris pour MGL France, s'il te plaît. Alors je vais essayer de regagner la tête de manif. Pas de soucis Mathieu, merci. Beaucoup de monde encore sur cette manifestation aujourd'hui. Manifestation évidemment pour dire non au pass sanitaire. Liberté est le maître mot aujourd'hui encore sur cette manifestation. Touchez plus, touchez plus, touchez plus, touchez plus.
pas. À nos enfants, touchez plus. 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 Vous n'avez rien à vos enfants. Ils marchaient sur la route, pas sur le trottoir. Touchez plus. À nos enfants, touchez plus. À nos enfants. Merci pour les partages. N'hésitez pas évidemment à partager. On a besoin de vous pour la visibilité. Le manif gilet jaune qui va jusqu'à Bercy. Fumigène. Si, fumigène. Non, 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 non. Anti-pass sanitaire. Anti-pass sanitaire. Anti-pass sanitaire. Anti-pass sanitaire. On a LCI dans le cortège et devant on a le journaliste de Repli, firme de RT aussi. Ouais,
C'est quand tu passes à travers, tu rêves. Ça marche pas. Mais ce n'est que la continuité, ce n'est que la continuité de ce système depuis que Macron est au pouvoir et les autres présidents. On a des rouleaux compresseurs qui avancent et qui est en train de laminer la population. Donc ce passe sanitaire, ça fait partie, c'est la continuité de ce programme. Aujourd'hui, on veut la liberté, parce qu'avec ce passe politique, on l'a perdu complètement. C'est inadmissible. On peut rentrer dans un métro, on nous donne des millions. Par contre, pour aller nager, pour aller voir un film au cinéma, c'est inadmissible. On est à Paris, on est à Paris, on vient de quitter la place de la Bourse. Aujourd'hui, ici sur cette manifestation, beaucoup de gens, mais aussi beaucoup de détermination. On ressent vraiment la détermination aujourd'hui, peut-être plus que la dernière fois où MGL a couvert Paris d'ailleurs. Par contre, très peu de forces de l'ordre.
sont pas sûrs qu'on soit sur le bon trajet de manifestation. Devant et un autre groupe qui vient de se détacher sur la gauche. Donc la progression de la manifestation vient de s'arrêter. Ce groupe essaie d'appeler le gros de la manifestation qui se trouve ici à droite. L'ordre ici devant. Ça va bouger un peu, je vais m'équiper. Vous avez la manifestation ici devant vous, qui s'est stoppée parce que une indécision sur le parcours, tout droit ou à gauche. On va voir. Donc je viens de m'équiper moi aussi. Thank you.
bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. C'est Lélie Gijabé pour MGL France à Paris aujourd'hui, sur la manifestation au départ de Place de la Bourse. Bonjour Chantal. Beaucoup, beaucoup de monde encore hein, aujourd'hui sur cette manif. Vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité, liberté, vérité. Macron, on en veut pas.
Ici derrière. Mais par contre, on a un autre groupe tout devant. Donc je vais avancer pour voir un petit peu. Bah, Martine, pour l'instant, très très peu en fait, en tête de cortège, en fond de cortège, mais effectivement, pas au long du cortège comme il y a 15 jours à Paris. Maintenant, plusieurs manifestations ont été déclarées aujourd'hui sur Paris, contrairement à il y a 15 jours, ce qui fait qu'il y a très certainement eu aussi une division des capacités. Sachant que vous pouvez aller le voir sur MGL France, France Police, policiers en colère, a fait un communiqué de presse en gros en ruant les brancards et en disant qu'ils en avaient ras-le-bol. Et il y a peut-être aussi de moins en moins de FDO disponibles. Pour couvrir ces manifestations. C'est une hypothèse. On va avancer tout devant pour aller rechercher le groupe de tête et voir aussi son importance. Quelques gendarmes
ici sur la droite. La gendarmerie. Le gouvernement ne cherche qu'à opposer et qu'à réordre les citoyens. Ne tombez pas dans le panneau, n'écoutez pas nos hiérarchies. Les hiérarchies sont corrompues. Il paraît que les plus aînés qui sont vaccinés, on va renouveler. Par contre, là, vous avez une compagnie de CRS. Sachant qu'une compagnie comprend environ 104, si mes souvenirs sont bons, personnel des forces de l'ordre. Gendarme en face aussi. Ah, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire partie. En tout cas, ici, peu de forces de l'ordre, on va dire, hein, pour une manifestation aussi importante. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on a déjà pu voir. On a de la gendarmerie en grand nombre et un peu de CRS ici. CRS qui d'ailleurs se replie. Tête de cortège, donc ce sont ces CRS qui ouvrent le tracé de la manifestation. Anna, les gendarmes non plus d'ailleurs. Allez.
Le pas s'est accéléré en fait au vu des forces de l'ordre. Le rythme de la manif vient de monter d'un cran. Jean-Christian figure des manifs ici à Paris qui en règle générale tempère et fait le tampon entre les manifestants et les forces de l'ordre. Oh!
Laissez vivre ça. Ah, laissez vivre ça.
un trou là. Il y a un trou, il y a un trou. Bravo. Il y a un trou. Apparemment, un CRS va mal. Ah ok, j'avais pas vu. En fait, il fait très chaud ici à Paris. L'air est humide. Thank you.
Alors, on a la manifestation qui va, qui est en train. En fait, je ne sais pas ce qu'on est en train de faire. Je ne comprends pas. Les CRS viennent de se recroqueviller le long d'un bâtiment. Apparemment, on veut nous faire passer sous un porche le pavillon de Rouen. C'est ça, en fait, voilà. On a une manifestation monstrueuse qui va devoir passer en dessous de ce petit porche. Il y a eu un moment de panique devant de la part des forces de l'ordre qui sont mélangées dans le cortège en vérité, puisqu'au final, il n'y a pas assez de place pour que tout le monde passe par ce porche. Aussi grosse passer par un endroit aussi étriqué et fermé. Si quelqu'un connaît ces bâtiments, n'hésitez pas à nous le dire. On est au Louvre. Dans le Louvre, c'était un pont royal, n'est-ce pas? Donc on est sur le parvis du Louvre. Mes collègues, j'ai voulu que mes collègues. Ah ouais? Il va y avoir une nasse sur cette esplanade du Louvre. Manifestation qui a été détournée par les forces de l'ordre. Je vais essayer de vous prendre un point haut. Je comprends pas trop ce qui se passe ici. C'est la panique en tout cas dans l'organisation des forces de l'ordre. CRS et gendarmerie ont du mal à se coordonner l'un l'autre. Vous avez d'autres gendarmes de l'autre côté qui courent. Pour essayer de compter, on est devant la pyramide du Louvre. Ils ont réussi à contenir une partie de la manifestation, mais une autre partie est partie là-bas, vous voyez là-bas dans le fond. Des forces de l'ordre en nombre. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. On est rentré par ce petit porche ici juste dans l'axe de la caméra. Le petit porche dans la tour. Vous voyez où il y a l'espèce de flèche en haut, nord-sud-est-ouest. On est passé par ce porche. On a été détourné par les CRS en fait qui ouvraient la marche à la base. Et contenu latéralement par un cordon de gendarmerie. Tout le monde a été poussé. Par ici. Le reste de la manifestation en fait est maintenant bloqué et a essayé forcément de suivre puisqu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives possibles. Thank you.
Rebonjour à tous et à toutes les Ligues GGB pour MGL France. On a été coupés. On est toujours sur l'esplanade de la pyramide du Louvre, ici à Paris. La manif a été déviée sur cette esplanade. On ne sait pas trop pourquoi. J'ai demandé à des médics qui ont demandé aux gendarmes qui ne le savaient pas eux non plus. Merci de repartager le live en masse, évidemment, nous avons été coupés. Du coup, les partages sont coupés aussi. On est ici sur l'esplanade. Vous avez CRS et gendarmes ici un peu partout. La manif plus ou moins conclue maintenant. Avec nous, les gendarmes, avec nous, les gendarmes, avec nous, les gendarmes, avec nous, les gendarmes, avec nous. Alors que la foule attend les gendarmes avec nous. Gendarmes toujours relativement appréciés évidemment sur les manifestations, puisque moins violents que le reste des autres corps de maintien de l'ordre. Les gendarmes avec nous. 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 Mais non, 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 non. Bon, allez. On veut respirer. Mouvement de foule, en fait, vous avez des manifestants qui sont passés de part et d'autre des barrières. Donc, les forces de l'ordre essaient de reconditionner la manifestation et la rassembler. Mais beaucoup de promeneurs, de touristes sur cette esplanade du Louvre, bien évidemment, puisqu'on est sur un des lieux les plus visités de Paris. Donc il va être compliqué pour eux, à mon avis, de faire la différence entre manifestants, promeneurs et touristes. Coucou Pascal. Donc MGL France à Paris aujourd'hui, Lili Jijabé en live pour vous servir. Vous pouvez suivre aussi d'autres plans de cette manifestation via RSI Live et RSI Media, RSI Live. Les collègues marseillais qui sont ici sur cette manif aussi aujourd'hui. C'est bon, vous allez gérer ou faut appeler vos copains gendarmes pour vous apprendre. J'ai commencé à ne pas parler, mais je suis juste en train. Oui, ils sont pas gentils. Leur boss, ils sont pas gentils. C'est leur boss qui gère pas une cacahuète. C'est pas les mecs en première ligne. Vous nous faites très peur avec votre attaquage. Vous nous faites très peur. Rangez-la, s'il vous plaît, vous nous faites très peur. Mais détends-toi, toi, calme-toi, pisse un peu. Liberté ! Liberté ! Pour tout le monde ! One, two, three!
On sent une certaine tension et désorganisation. Les CRS qui sont ici devant maintiennent de l'ordre un peu brouillon. Alors, ils ferment encore une porte ici pour forcer les gens à passer de ce côté-ci, ce qui est relativement dangereux parce que vous pouvez voir des bandes en béton au sol. Les manifestants qui arrivent derrière ne les verront pas forcément. Malgré tout, les manifestants sortent par cette autre porte. Vous avez l'esplanade ici. Alors, on nous a signalé à un moment que la manifestation n'était pas sur le bon parcours. J'ai demandé à un organisateur, ou en tout cas quelqu'un qui est proche d'eux, qui m'a dit que si... la rue de Rivoli était la bonne. Finalement, le passage dans cette cour du Louvre nous a fait passer perpendiculairement à la rue dans laquelle on était, parallèlement, à la rue dans laquelle on était. Et c'est peut-être par un mauvais tracé, un mauvais passage de manif que cette décision avait été prise par les commandements des forces de l'ordre. Peut-être pour faire revenir la manifestation sur un parcours déclaré, alors que peut-être on n'était pas. C'est des hypothèses, mais c'est la seule explication que nous sur le terrain, en tout cas moi sur le terrain, je peux peut-être comprendre. Je suis pas sûre de ce qui vient de se passer en fait. J'ai un peu de mal à comprendre. Mais c'est une explication. Les gendarmes revenus devant. Et vous voyez que tout de suite, tout se calme. C'est incroyable en fait. La simple présence d'un peloton de gendarmerie suffit à calmer les manifestants. La vision d'un peloton de CRS à les stresser, à les énerver. Difficile hein, aujourd'hui les forces de l'ordre. C'est un peu carpillage. Les gendarmes passent dans les manifestants pour renforcer le rang de police de CRS juste devant nous. Et vous voyez, la tension remonte immédiatement à la vue des CRS. Donc
Si ma parole va nous rendre là. Personnel soignant ici sur la manifestation aujourd'hui, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, première vague, applaudissements, quatrième vague, licenciement. C'est comme ça, en fait, en France, que le gouvernement remercie le personnel soignant d'avoir tout donné à la première vague pour aider la population. Résistance, liberté, résistance, liberté, résistance, liberté, résistance.
N'est pas vraiment le cas chez les mainstream, évidemment. Les indés, eux, essaient plus de vous montrer ce que la réalité de terrain. Vous voyez, nous, FGL, on est en live depuis le début. On est en live depuis le début. On va les guillotiner.
comprenez ça? On va les pendre ou les guillotiner. Et ils passeront de toute façon au peloton d'exécution. Merci. Ok, c'est comme ça. Merci. J'ai des écharpes de Munich. Par respect, évidemment, puisque un média doit vous relater normalement des faits et vous laisser faire votre opinion vous-même. C'est la base normalement du journalisme. Un manifestant fait remarquer que beaucoup d'autres sont sur des personnes sont sur des à côté en train de filmer la manifestation de l'extérieur, comme si c'était exceptionnel de voir une manifestation à Paris. Ça fait juste 3 ans que quasiment chaque week-end une manif est organisée à Paris pour lutter contre avant c'était les restrictions, pour lutter contre la précarité et aujourd'hui contre le pass sanitaire, la vaccination obligatoire. Vaccination qui est en pourparlers pour être étendue aux enfants même de moins de 12 ans. Et beaucoup de mamans aujourd'hui présentes sur cette manif qui scandent régulièrement ne touchez pas à nos enfants. Grosse présence féminine sur les manifestations parisiennes depuis pas mal de temps déjà, parce que les femmes sont toujours très très présentes sur les manifestations à Paris et en province aussi d'ailleurs, mais d'autant plus depuis le pass sanitaire. Thank you.
Alors la gendarmerie très conciliante avec la presse, respecte la carte de presse, donc on peut entrer et sortir du cortège. L'envers du décor. Thank you.
bras quand je descende. Bah, tu aurais pu rester là parce que je vais passer. Apparemment, il y a eu un gazage. Gazage en main. Le train des enfants. Des enfants. Les gars, on avance. N'abandonnez pas le combat. Get up, stand up. Stand up for your rights. Les gendarmes qui essaient de se renseigner à savoir pourquoi ça a gazé, un responsable lui dit que c'est pas les gendarmes qui ont gazé et qu'ils ne savent pas pourquoi ça a gazé.
Ça y est les gars, il y a la relève. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes pas tout seul. Je te jure, c'est grave. Habillé tout en noir comme ça et tout le gilet, on dirait grave. Nous, Amar. Amar, média indépendant aussi, bien connu sur les réseaux sociaux. Amar, toujours là pour donner un coup de main aux collègues. C'est un peu notre ange gardien, Amar, sur les manifs. Jet de projectile. La bouteille vient d'être lancée sur le deuxième rang, l'arrière-rang de CRS. Ah, monsieur Lannoy a dû décider de saigner là, non ? De saigner le peuple. Ah, c'est trop. Hein. Une canette, c'est le débordement. Alors là, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. La main, c'est pas vrai. Mais du coup, j'apprends le métier, tu vois. Moi aussi, je suis rentré en blanc. Bon, c'est pas le même budget, mais bon. Hein ? Moi, personnellement, je connaissais pas le métier de journaliste. Depuis que j'ai lu la charte de Munich, je trouve que c'est un métier dangereux. Tu vois ? Je trouve que c'est un métier très dangereux. Mais personne va au bout de la dangerosité du métier. Hein ? Il y a le DHL qui va, tu vois, il est soit disant, je vais en Irak. Je pense que la manifestation va s'engager rue Dauphine. Thank you.
Même si Marc, on ne peut pas nous.
Le petit mot gentil d'Amar, comme toujours. La manifestation s'est engagée dans une rue étroite, je vous donnerai le nom après, très très étroite. Les forces de l'ordre ont du mal à contenir la masse qui leur arrive dessus. Ils ont même l'air de s'épuiser les uns derrière les autres. Alors que les riverains ouvre les fenêtres au passage de la manifestation. Rue Dauphine, on est toujours rue Dauphine.
Continuez évidemment à partager ce live. On a besoin de vous pour récupérer de la visibilité. Facebook nous censure, ne propose plus la page. On a donc besoin des gens qui nous suivent pour partager un maximum pour que nos images évidemment soient visibles et que ces manifestations soient vues par le plus grand nombre. Force de l'ordre. Oh. Bon. On arrive sur un gros croisement. La manifestation devrait partir. Je ne sais pas par où en fait. Je ne sais pas. Parce que c'est bloqué de partout. Les fourgons peut-être par là en face. Ici on est bloqué en travers. Ici on les a dans contresens. Donc ce serait éventuellement par là. Parce que les fourgons sont dans le sens de circulation de la manifestation. Donc les CRS vont tenter de faire pivoter la manifestation sur la droite. Des renforts de gendarmerie ici à gauche. Un mur est en train de se former au niveau des CRS pour bloquer l'avancée de la manif et la faire pivoter, à mon avis, sur notre droite. Ils vont bloquer, ils vont se mettre comme ça et ils vont bloquer pour la faire partir par là. Voilà. Coucou frère. Tu leur dis quoi?
Chantal. Nouveau croisement. Par contre ici, pas grand chose de bloqué. On devrait normalement aller par là. Je ne sais pas ce qui se passe.
Il va encore, à mon avis, falloir faire pivoter la manifestation sur la droite, dans cette direction. Et trouver un point un peu plus haut. Thank you.
Manifestation qui se trouve actuellement boulevard Saint-Michel. La progression continue doucement mais sûrement, sur un pas régulier. Pas d'altercation, pas de heurts à constater pour le moment. Un petit gazage tout à l'heure en présence par contre d'enfants et de touristes. Gazage qui était incompris par la gendarmerie, donc sûrement venant de la police. Mais on n'était pas présent, donc rien de méchant jusque maintenant sur cette manifestation calme. Beaucoup de gens sont venus rejoindre le cortège, hein. Il y a beaucoup plus de monde maintenant qu'au départ de la manifestation tout à l'heure, place de la Bourse. Alors que la foule entonne une nouvelle Marseillaise. Thank you.
l'association des forces de l'ordre puisqu'elle se retrouve prise entre deux groupes de manifestants. Qui remonte là aussi sur le côté. Jeu de projectile. Un jeu de projectile est toujours le risque que la manif dégénère et qu'il y ait gazage évidemment. Du maintien de l'ordre. Ils ont laissé une rue ouverte à Manix, ils ont engouffré, réaction immédiate évidemment pour bloquer. La gendarmerie est venue fermer cette rue. Ça vient dans le dos les gars, ça vient dans le dos. Alors on interdit. Voilà, on a entendu, hein, on a interdit. Thank you.
passe en ligne de front. Liberté!
que les véhicules de police sont dans le mauvais sens. Ce qui veut dire que la manifestation n'est pas sur le tracé normal, en tout cas le tracé des carrés. La gendarmerie vient de faire un appel apparemment pour demander aux manifestants de faire demi-tour, ce qui est en train d'être fait. Et du coup, il y a une demande. On n'entend pas, j'entends pas ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils disent que la fin de la manif, c'est là-bas en fait. J'explique aux gens que c'est là-bas la fin de la manif. D'accord. Et les gens, ils veulent. Donc on est là, c'est juste que la manif est dans le mauvais sens en fait. Jusqu'au bout du compte, c'est pas... D'accord. Ferme ! Ferme ! Donc annonce de la fin de la manifestation. Les consignes de dispersion sont en train d'être données. Alors que la manifestation du coup a fait demi-tour. Dispersion, ils ont dit. Thank you.
sur ces images que je vais couper le live pour l'instant. Évidemment, vous connaissez MGL. À la moindre nécessité de l'info, je redémarrerai un nouveau live. Pour l'instant, je vais vous laisser. La manifestation est en train d'être... En tout cas, les forces de l'ordre essaient de disperser cette manifestation. Un nouveau live sera mis en préparation et redémarrera si nécessaire, évidemment très rapidement. Je vous souhaite encore à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Et je vous remercie d'avoir encore une fois suivi MGL France aujourd'hui ici à Paris. Merci spécial à Marie qui reste cachée depuis tout à l'heure, mais grâce à qui a été mon binôme toute la journée, qui m'a aidé à marcher en marche arrière, ce qui m'a permis de vous faire tous ces plans en hauteur et de face par rapport à la manifestation, plus que d'habitude, en me sécurisant avec les bordures de trottoirs, les piquets, les manifestants, etc. Donc un grand merci et merci à tous et à toutes d'avoir suivi ces lives aujourd'hui. Ciao, à très vite.